Salut tout l'autre ami qui est dans la salle là. Et son plaisir aujourd'hui pour nous passer dans le matin débat pour nous faire un petit parler ensemble. Bien, présentons. Alors, non, pas moi, c'est ingénieur Roberto Garçon. Ils sont ingénieurs en informatique et électronique. Mais la raison qui m'aime là aujourd'hui, c'est concernant un projet que nous avons, nous allons faire un lancement officiel le 18 mai. Mais malgré tout setup que nous avons déjà fait beaucoup de débats, nous avons quelques difficultés que nous avons rencontrées, mais ce n'est pas sur le plan économique. Donc, nous passons dans le matin débat qui c'est oreilles avec yeux peuvent haïtien. Et d'une façon à ce que au moins nous capables de joindre un backup. Un backup pour. Bien, bien. Ok, lancement que nous avons fait 18 mai, qui s'est bien. Et ça passe, nous faisons premier assemblage et satellite fait par des haïtiens, des jeunes qui vivent à l'étranger. Oh, nous faisons assemblage satellite ouais. Nous-mêmes, oui. Oui, nous-mêmes. Ok. Et nous profitons pour nous inviter la presse le 11 mai. Pour aller dans la salle à côté de nous faire assemblage. Okay. Pour aller ouais, et en pile jeune qui gagne à travers le pays. Sur quoi de la souveraineté pour nous défendre des capacités que nous gagnons pour nous réaliser une série de bagages. Donc nous-mêmes, des jeunes haïtiens, nous faisons satellite ici. Exact, nous faisons assemblage. Et nous faisons assemblage satellite ici. Oui, premier assemblage. Mais nous avons une grosse difficulté locaux. Okay. Et c'est ça même qui mène dans la caille là, je veux dire. Satellite qui connaît les bagages d'internet, de l'espace, oui. Exact. Nous-mêmes, là, en Haïti, là, oui. Oui, oui. Gen jen ap sou sa isi? Oui. Oh! Kompetans yo la. Gen kompetans sou sa isi? Tout kadyo la. Donc 18 mai sa nou va fè la nou menm? Nap fon lansman ofisyel. Malgré nan ben vide tout pou nou vin gade ki jen ap? Moun ap vin gade lansman ofisyel la. Men pas se man gen bako sa an Haiti menm nou? Gen sa. Gen kompetans sou sa an Haiti la? Oui, oui. Sa son minimum. Minimum? Par rapport sa nou va fè, sa son minimum. Donc tout gen, sou ekip de jen gason nou ka fè, nou fò asan la. Pou nou voye satellite ale. Exact. Men, fòk mwen zou. Il y a une grosse difficulté que nous avons dans le moment. Nous avons un coordonnatrice qui est Mme Sophia Souffrant. Okay. Actuellement, c'est Dubaï qui habite. Okay. C'est un monde qui travaille dans le système de technologie pour le gouvernement. L'autre bois. Okay. Et c'est lui qui est le plus grand patron que nous avons. Sophia Souffrant. Oui. Sur le plan haïtien. Haïtien. Sur le plan économique, c'est lui-même qui supporte nous plus parce que c'est lui-même qui a le plus gros moyen. Okay. Mais mercredi dernier, nous recevons un appel sur le téléphone parce que nous avons une démarche qui a fait beaucoup de l'État ici. Nous rencontrons une pile de difficultés parce que nous avons une compagnie américaine qui voulait vendre Internet dans le pays. Donc, ça a empêché l'État ici de donner une autorisation pour fonctionner sur le territoire. Là. Okay. Mais les compagnies sont compagnies américaines. Je veux dire qu'ils voulaient venir faire confiance. Pendant que nous pouvons même lancer, mais il faut que nous tout, nous commençons à recevoir des pressions qui commençaient à faire ne pas qu'à lancer. Là, on parle donc pour le dossier, là. Exact. Parce que c'est ça, moi,